I lose you. Salut à tous. Me revoilà et on est là, on est prêt pour la deuxième partie de notre vie en banlieue parisienne, en Île-de-France. Donc vous voyez encore une fois comment c'est magnifique juste au-dessus. Et voilà, du coup, donc il y a plein d'eau autour et on se fait plaisir dans la nature. Et nous allons pouvoir parler de tout cela. À tout de suite. Alors, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent, qui concerne justement la vie en Île-de-France, que vous observerez bien que vivre dans la nature, disons être dans la nature le plus souvent que possible, permet aussi de pouvoir non seulement avoir de l'inspiration, observer en fait les choses simples de la vie. Déjà nous rendre compte dans un premier temps que y a le soleil parmi nous. Donc s'il n'y a pas de soleil, du coup il n'y a pas toute cette verdure là qui pousse. Et cette verdure là qui pousse, ça nous fait aussi donc avoir de l'oxygène et autres, mais ça nous permet aussi nous-mêmes de nous nourrir et nous grandir. Et je pense que c'est très important justement d'être dans un équilibre naturel
pour pouvoir se développer. Si demain on n'a pas justement ces éléments qui sont la terre, qu'on peut voir un peu derrière moi, et le soleil, et du coup avec l'eau qui se trouve dans ce qu'on vient de traverser juste là devant. Donc on ne peut pas avoir justement toute cette verdure qui nous permet justement de nous-mêmes survivre les humains. Je pense que c'est quelque chose de très important et auquel on ne doit pas hésiter à se questionner dessus, surtout vis-à-vis des choses naturelles. En observant la nature, beaucoup d'anciens, qu'on appelle les primitifs, les hommes primitifs, ont pu comprendre un peu la vie. Et là, actuellement, c'est à nous de nous reconnecter à tout ceci. Alors, j'ai une anecdote d'ailleurs, à ce qui paraît. Alors, dans le 77, à Boissy-Saint-Léger, dans la forêt de Sucy, il y avait lors du confinement justement des cerfs qui avaient repris plus ou moins leur place et se trouvaient sur les routes. Et tout ça pour dire que justement sans la main de l'homme qui a tendance à détruire justement cette belle planète, et les choses reviendraient vite à leur place. Et on peut voir juste un simple regard sur ce qui nous entoure. On peut voir que par exemple il y a des arbres qui poussent près des trottoirs et que leurs racines cassent justement le béton. Donc tout ça pour dire que quoi qu'il en soit, ceux qui auront le dernier mot, c'est la nature. Vous vous rappelez bien justement cette cascade là au fond. Me revoilà toujours au même endroit et là en fait je vais un peu vous parler de ce qui est de l'eau. En effet, l'élément eau nous permet justement de voir la vie. On voit bien, donc je sais pas du coup si vous pourrez voir, je vais tenter de filmer dans l'eau et vous verrez justement un tas de petits poissons qui prennent vie. Alors bien sûr, selon les théories, l'homme viendrait de l'eau qui s'est formée en tétard et tout, etc. et qui est devenu homme. Et je vais vous montrer ça pour que vous puissiez justement apprécier aussi ce qu'il y a au fond de l'eau. Mais personne ne sait bien sûr ce qu'il y a vraiment tout au fond de l'eau. Ça, c'est un mystère, hein, tout au fond de l'océan bien sûr. Là, ce n'est qu'une rivière et on peut voir un peu un peu ce qu'il y a en surface, je dirais. Donc, je vous y emmène tout de suite. Alors juste ici il y avait un écureuil, du coup il est parti malheureusement. Je voulais le filmer et il est parti. Donc on reprend pour ce qui concerne justement l'eau et ce qui habite au fond de l'eau. Alors, est-ce qu'on pourra voir? Déjà on voit une brique, deux briques, des parpaings. Si vous les voyez bien, bon, si normalement on les voit, il y a un parpaing ici, juste là, et l'autre il est vers ici. Voilà. Alors, peut-être que c'était pour faire une clôture, parce que là je suis auprès de l'eau, et dans cette eau là, dans ce fleuve plutôt, c'est même pas une rivière, c'est un fleuve, il y a déjà eu quelques morts depuis 2014. Je sais pas si vous les voyez, mais moi je vois des petits poissons. À mon avis, vous avez plus le reflet du ciel, comme quoi
je vous laisse sur cette petite méditation, ce qu'il y a dans l'eau, donc les poissons, c'est aussi ce qu'il y a dans le ciel, les oiseaux. On peut constater que les petits poissons justement réagissent un peu comme les oiseaux lorsqu'ils sont en bande et font exactement les mêmes types de gestes. Donc je vous laisse sur cette méditation tranquillement. Qui saute, je sais pas si vous avez pu l'entendre, mais j'ai pas pu le filmer. On ne voit pas forcément sauter, mais c'est juste magnifique. Ah ben mince, non, ça du coup ça pousse pas, mais dessus il y a des choses qui poussent, donc on voit bien que la nature fait le travail et elle aura toujours le dessus sur la création de l'homme. Alors vous pourrez remarquer que justement cette vidéo elle a allure un peu de documentaire et comme vous le savez j'aime la nature du coup. Je vous renvoie à la vidéo qui se trouve juste ici où est-ce que je parle justement de la nature par rapport au vent, ce qui fait que les graines des arbres puissent tomber sur le sol et justement pousser avec l'eau, la terre et le feu. Et on remarquera bien que j'ai un peu ciblé justement les quatre éléments qui composent un peu la majeure partie des choses de cette planète et ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Vous remarquerez aussi que j'ai toujours avec mon casque et du coup j'ai fait une sorte de système pour mettre le micro juste là. Vous verrez encore dans cette autre vidéo ici que j'ai le matériel pour. Mais justement, en partant comme ça à la va-vite, j'oublie de le prendre et au final, je me retrouve à faire des vidéos avec mon portable et ce petit micro-là. Donc j'espère que le son est bon pour vous et que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et surtout à partager la vidéo et n'oubliez pas le like. Donc je vous dis à très bientôt. Peace. Est arrivé. Malheureusement. Après 4 heures d'attente,